Wesh les potos, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième et sixième étape du secret de Shaolin Shuffle. Donc quand vous avez fini, donc si vous n'avez pas fait les précédentes étapes et que vous ne savez pas comment faire, toutes les étapes seront en description, il y aura des liens, je vous dirigerai vers la première, la deuxième, la troisième et la quatrième et je mettrai la septième, la huitième, la neuvième et la dixième étape puis l'étape finale dans la description dès que je les aurai fait. Donc quand vous avez fait la quatrième étape, qui était de faire le morse et de récupérer la troisième et quatrième étape, qui était de faire le morse et de récupérer le poster. Vous allez sur le doigt le toit du disco, du truc disco, donc ici où je suis, et vous allez appuyer sur carré sur le poster. Donc voilà, quand le poster il sera mis, il y aura une croix qui va s'afficher juste là où j'ai tiré, et faudra tirer genre avec de l'explosif, genre sur la croix. Voilà, dès qu'elle disparaît. Ça va faire spawn des ninjas, donc vous tuez tous les ninjas. Donc avec des Kendall 44, ça ira facilement. Faites attention de ne pas tuer le dernier zombie. Voilà, nickel. Là, j'ai tué tous les ninjas, j'ai laissé un rampant, donc c'est parfait. Alors, cette étape est assez compliquée, mais je vais vous l'expliquer. Donc c'est tout simple. Première chose, il faut regarder la première lettre. Ok, il est revenu en courant, c'est pas grave. Donc la première chose, c'est qu'il faut regarder la première lettre. Donc si la première lettre, c'est un S, il y a une série de mots que je vais mettre en description. Donc par exemple, moi là, je suis en train de les regarder. Donc je regarde dans les S, donc je mettrai tous les mots dans la description. Il y a des mots bien sûr qui n'ont pas encore été confirmés, il y a des mots qui n'ont pas encore été découverts, mais il y a plein de mots quand même confirmés, donc n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires pour trouver votre mot. Donc c'est un S. Donc dans les S, moi j'ai Samantha, Shaolin, Shelf et Shuffle et un autre S qu'on ne sait pas c'est quoi, plus Slasher, Slide, Snake, Spaceland, Staff, Subway. Donc j'ai blindé de mots en S. Donc il faut savoir que si maintenant je me trompe, j'ai droit à 5 et à 5 chances. Si je me trompe, il va falloir que je passe la manche et j'aurai tout simplement 5 nouvelles chances. À chaque manche, j'ai 5 nouvelles chances. Donc là d'abord, je vais vous montrer, parce que quand j'ai tué les ninjas, j'ai eu 6 symboles comme ça qui se sont affichés sur le toit. Donc le premier symbole, il est ici. Le deuxième symbole, il est sur la table. Le troisième symbole, il est juste ici. Le quatrième symbole, il est ici. Le cinquième symbole, il est ici. Le sixième symbole, il est dans la fenêtre là. Donc chaque symbole égale une lettre, tout simplement. Chaque symbole égale une lettre. Donc je vais vous mettre au montage l'image de toutes les lettres. Donc par exemple, donc moi j'ai plein de mots, vraiment plein de mots. Donc je dois trouver, j'ai Samantha, Shaolin, blablabla, blablabla. Donc il faut que je trouve un A, un H, un I, un L, un N, un P, un T. Franchement c'est le bordel, ça c'est vraiment le bordel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de mot, hein, parce que franchement c'est la merde. Voilà, là je me suis trompé, ok c'est parfait, maintenant j'ai un O. Voilà. Je préfère, parce que sinon ça va être trop compliqué à vous expliquer. Donc là je retourne dans la liste des mots et je cherche les mots avec O. Donc il est où? Il n'y a pas de O? Si, voilà, il n'y en a que un. Il s'appelle Obélisque. Donc comme il n'y en a que un, c'est beaucoup plus facile de chercher et de vous expliquer. J'en ai que un, c'est Obélix. Donc première chose, je trouve le mot. Là j'ai trouvé le mot. Deuxième chose, je dois trouver la deuxième lettre. La deuxième lettre, donc je vais voir les signes, les symboles. Donc je cherche le B. Le B, c'est une sorte de A. Là. Donc vous le voyez, je vais le mettre à l'écran. Donc là, je cherche dans tous les symboles ce symbole pour voir s'il y a un B. Donc j'ai pas trouvé de B. J'ai pas trouvé de B. Il n'y a pas le B. Parce que voilà, toutes les lettres n'ont pas été. Tous les mots n'ont pas été trouvés. Donc je vais tirer dans celui-là. Ça va me le faire rater, je pense. Voilà, je l'ai raté, c'est pas grave. On va regarder la première lettre. Donc là, c'est un Y. Donc je me pose. Je vais voir dans les mots, dans les Y. Donc dans les Y, il y a yetie yes. Donc yetie ei. Enfin bref, voilà, le mot il est là. Donc ce que je dois trouver, c'est un E, la deuxième lettre, comme la première lettre.
En fait, chaque lettre va s'afficher quand je la trouverai la bonne. Elle s'affichera au fur et à mesure si je les trouve. Donc là, je dois trouver un E. Donc je vais voir dans les images, enfin dans l'alphabet du diable, et je cherche le E. Le E, on dirait un S avec un petit point. Donc maintenant, je cherche le E. Donc un S avec un petit point. Voilà, j'ai trouvé le S avec le petit point. Donc regardez, c'est ça. Ça, c'est sûr, c'est ça. Donc voilà. Le E, c'est ça. Regardez, je tire dessus. Et voilà, là, ça a fonctionné. Là, le E, c'est bien noté, regardez. Donc maintenant, je mets pause et je vais voir la troisième lettre du mot. Donc la troisième lettre, c'est un T. Donc je vais voir l'alphabet. L'alphabet, donc le T, on dirait un P bizarre. Donc je cherche un P bizarre. Mais il est là, c'est justement celui-là. Donc je tire, ça c'est le P. Voilà, j'ai tiré. Donc ça c'est un... Donc après le T, c'est quoi? C'est un I, je cherche un I. La troisième lettre, non, la quatrième lettre c'est un I. Parce que là j'ai eu la troisième lettre, donc je vais voir le I. Donc ça ressemble à un mille-pattes. Voilà, ça ressemble à un mille-pattes, donc on cherche un mille-pattes. Donc voilà, ça c'est le mille-pattes. Avant de faire le I, j'aimerais bien vous présenter parce que dans le. Ça c'est un W en fait. Ça c'est un W, mais il n'est pas dans l'alphabet. Donc ça, c'est un W, ok les mecs? Le S, qui ressemble à soit cool, enfin, moi c'est comme ça que je l'ai deviné, ben c'était un W. Donc je regarde s'il n'y a pas une autre lettre que je connais. Les autres lettres, je connais le C. Le C, je vais regarder si je ne le vois pas, comme ça je vous le montre. Non, il n'y a pas de C. Pour l'instant, il n'y a pas le C, donc je ne saurais pas vous le montrer. Alors là, je vais tirer ben, dans le I, tout simplement. Voilà. Et regardez, le I s'est mis en quatrième position. Donc c'était la quatrième lettre. Donc maintenant, je me pose, je regarde la cinquième lettre, tout simplement. Donc la cinquième lettre, c'est un E. Donc je recherche, je retourne dans l'alphabet, je regarde le E. Voilà, c'est un S avec un petit 3. Donc ça, c'est le C, ça sera bon. Voilà, c'est celui-là. Hop, je tire. J'essaie de tirer une balle, parce que sinon, t'imagines si tu tires deux balles et que tu touches le deuxième et que c'est pas le bon, bah, c'est dans la merde. Donc là, j'ai eu le. La cinquième lettre. Donc maintenant je me pose, je vais voir c'est quoi la sixième lettre. La sixième lettre c'est un Y. Donc je vais voir dans l'alphabet, je cherche le Y. Le Y c'est un point. Un point tout simple. C'est pas ça. Voilà, j'ai trouvé le point, hop, je tire dessus. Alors ensuite, le mot s'est bien affiché. Si vous ratez, le mot s'efface et c'est un autre mot qui recommence. Okay? Donc faites attention, soyez sûr avant de tirer. Alors, après le Y, c'est un E. Donc je recherche le truc avec le genre de S avec un 3. Et voilà, il est là. Ça, c'est le S, le E. Ça, c'est le E. Hop, je tire. Putain, chaque fois que je tire deux balles, c'est chaud. Et là, j'ai plus qu'à trouver le S. Donc la dernière lettre, c'est le S. Donc. Le S, je vais voir l'alphabet. Le S, c'est un A. Un A de anarchie, on dirait. Enfin, non, tout simplement un A. Donc, il est là. Regardez. Hop. Et là, j'ai un bang. Ça veut dire que l'étape est réussie. Donc, voilà. Alors, ensuite, quand l'étape est réussie, il faut se rendre au courir vite. Donc, là, je vais y aller. Et là, vous allez devoir affronter le roi des rats. Pour une deuxième fois. Donc voilà, c'est ici, regardez, le symbole s'est affiché, donc vous appuyez sur carré, le roi des rats spawn et vous le défoncez, tout simplement. Il m'a lancé son bouclier, ça m'était jamais arrivé, j'avais jamais vu qu'il pouvait faire ça. Voilà, là je l'ai tué. Donc quand vous l'avez tué, vous avez juste à récupérer le crâne. Et voilà. Donc là, la sixième étape est terminée. Donc la cinquième et la sixième étape sont terminées. Donc voilà, moi maintenant, je vais préparer la septième et la huitième étape et je vais vous faire le tuto. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Et voilà, si la vidéo vous aura été utile et que vous avez aimé, enfin vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker. Si je me suis mal exprimé, bah, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à le dire. J'essaierai de répondre dans les commentaires.
N'hésitez pas aussi à aller voir donc dans les commentaires tous les mots. Je vais mettre tous les mots qui ont été découverts. Retourner en arrière si vous n'avez pas compris un truc, etc. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Le poteau, allez, ciao, peace! Yummy, bro.